Ce portique n'a jamais autant sonné que lors de la visite du garde des Sceaux. Le centre pénitentiaire de Raiatea est ce que l'on appelle une unité de fin de peine. Actuellement, il compte 11 détenus. Depuis 2013, Yotefa leur enseigne les arts appliqués traditionnels. Les détenus que nous voyons ici, ce sont des personnes qui ne rechignent pas au travail. Donc ils vont, je leur donne des projets qui sont relativement difficiles, mais ils se lancent dans le marché. Et le résultat, ben, c'est ce que vous avez vu là. Ils consacrent 3 heures de leur temps à la peinture, au dessin et autres gravures sur pierre. Si la prison est évidemment un lieu de privation de liberté, il peut aussi, selon le garde des Sceaux, être un lieu de préparation à la réinsertion. Je suis convaincu que les détenus qui ont vécu les expériences qui ont été proposées par le centre de détention en seront bénéficiaires après. Ça sera profitable pour le temps d'après. La prison, c'est un moment où on prépare l'avenir, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Des cours de maths et de français sont aussi donnés. Le centre pénitentiaire de Raiatea peut accueillir jusqu'à 18 détenus. Vraiment, c'est un plaisir d'être ici. Vraiment. Merci. Vous direz à l'équipe ? J'ai trouvé ça, vous lirez ce que j'ai écrit là. Merci.